Monsieur Yadema, quelques mots s'il vous plaît. Ce que nous voulons, c'est d'éviter, n'est-ce pas, l'écoulement du sang. Il faut que ça cesse, que les Ivoiriens se retrouvent fraternellement, la main dans la main, développer le pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire ne concerne pas seulement les Ivoiriens, ça concerne aussi la sous-région, parce que dans le Limousin, par exemple, le poids économique de la Côte d'Ivoire pèse beaucoup. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on nous a dit, nous avons appris que Gbagbo a formé, il a été investi, il a formé un gouvernement. Et les autres partis politiques participent dans ce gouvernement. Celui qui est à côté de toilette sans l'odeur, celui qui a des sangs ne peut pas sentir. C'est vraiment ce que ça convient aux Ivoiriens, mais nous sommes obligés de les accompagner.